Qoom, c'est une plateforme web, donc koom.org, qui a pour but de faire agir ensemble les gens et les entreprises d'un territoire sur les enjeux liés au développement durable et à la transition énergétique à travers des défis. Et l'idée du défi, c'est de manière réciproque de faire agir sur une action comportementale les gens, les habitants, et en face, une entreprise de manière volontaire. Par exemple, de dire s'il y a 1000 habitants sur Mulhouse qui s'engagent à faire du vélo sur les courtes distances, alors telle entreprise s'engage à installer un parc à vélo en face de la fac. Ou s'il y a tant de personnes qui s'engagent sur l'action consommée locale, alors telle entreprise s'engage à financer un potager urbain sur l'aglo. Donc du coup, une entreprise du territoire s'engage à financer un projet local à impact social. Et concrètement, ce qu'on dit aux gens, ce sont trois choses. C'est un, face aux enjeux dont on vous parle dans les médias, vous avez la capacité d'agir à votre niveau sur des actions très concrètes qui vous sont proposées sur la plateforme. Deux, vous n'êtes pas seul à agir, puisque généralement, il y a pas mal de gens qui se disent bah, « un de plus, moins de moi qui fait ci ou ça, ça change quoi ?» Donc on montre sur une carte tous les voisins qui agissent sur la même action que soi. Donc on voit qu'on n'est pas seul et qu'il y a déjà une dynamique au niveau du territoire qui existe, donc on a plus envie d'en faire partie. Et la dernière chose qu'on dit aux gens, c'est votre petite action individuelle, elle a vraiment un impact collectif, à la fois en équivalent de CO2 économisé quand c'est possible de faire le calcul, et aussi en disant, si vous êtes un certain nombre à agir, ça va déclencher l'action volontaire et réciproque d'une entreprise. Donc finalement, Qoom, c'est un outil de mobilisation locale, interacteur, qui fait agir les différents acteurs publics et privés d'un territoire.